Septembre 2022, je me trouve devant la résidence de France. Et nous avons ici des souvenirs des chantiers Augustin Normand où sont construites les actuelles résidences. Là se situent les chantiers Augustin Normand où on fabriquer des bateaux et des sous-marins. Donc ici, on a la représentation d'un sous-marin et on évoque l'Espadon, dernier sous-marin construit en 1958. Alors il y a une encre, et une grande encre, mais alors comme plusieurs encres à braise, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'indique pas à quel bateau, à quelle embarcation elle appartenait. Hein. C'est une immense encre. En parfait état, puisque ça se conserve plutôt bien. Je ne sais pas à qui cela appartenait. Ça serait à voir. Là, ça pourrait faire une bonne question de rallye. Hein. Donc, une belle encre. Peut-être une encre Aja. Donc, écoutez, un petit souvenir maritime bien sympathique en plein cœur du Havre. Pas forcément très remarqué. À bientôt.